Et salut à tous, on se retrouve pour la liste du dimanche. Aïe 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 aïe, fin de la semaine. Et oui, c'est comme ça. Et je suis dans le même camp avec les deux comptes. Ok, je vais peut-être diminuer le son de mon côté pour éviter que vous l'entendez en 4 exemplaires. Donc évidemment, on va placer Cyan en mode automatique, hein, bien sûr. Et on essaie de se concentrer sur le compte principal afin que tout se passe pour le mieux, globalement. Donc voilà. Donc voilà. Ok. Au prochain tour, je lance un petit ulti Madala, évidemment. Allez, c'est parti. Et du côté de Sion, oui, tout, globalement, tout se... globalement, tout va bien. J'ai envie de vous dire. Ok, c'est nickel. Ok, je vais peut-être plutôt me concentrer sur mon compte principal. Alors, Ico, non. Lui, par contre. Ah. J'en doute. 1 million quand même. Ok. Oula. Bonjour, évidemment. Voilà, genre, essayer d'en récupérer correctement. Ok, essayons de lui envoyer le maximum de sympathie possible. Ok, donc. On va faire un petit ulti Madara. Alors. C'est peut-être le main food qui était assez souvent énervé, peut-être. Je me disais que ça faisait longtemps. Mais bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Attendez, on va peut-être cacher le chat pour qu'on y voit un peu plus clair. Après qu'on soit concentré envers ce qu'on fait. Ok, ici le Madara, là c'est la meilleure nouvelle de notre côté en réalité. Il cherche pas les dégâts de commotion. Franchement, c'est top. On n'a pas trop besoin de lancer un ulti. Ça sera un petit peu contre-productif en réalité, donc on va pas faire ça. Ouais, là, on va pas faire ça. Ok, j'ai cliqué sur quelqu'un au hasard, ça a été Masaigo, d'accord. Oula. Pour l'instant, tout va bien. On est en train de se foutre tranquillement. Oh mince, j'ai pas eu le temps d'appuyer trop vite. Je gère Escendre. Mais en fait, c'est pas grave. On peut pas se perdre du chakra non plus. Et bah, dommage. Ok, bon, j'ai potentiellement perdu la game là-dessus, mais bon. On va dire que c'est pas excessivement grave, on va dire, de perdre des games là-dessus. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut pas se tenter un petit ulti là? Ouais, ok, c'est bon, j'ai réussi à appuyer sur le bouton. On a du chakra en plus, si jamais on veut appuyer un petit peu avec le Sasori par exemple, mais une fois j'ai un doute sur le fait que ce soit nécessaire ou non. J'ai l'impression qu'il adore beaucoup se lancer sur notre Madara, ce qui est très très bien pour nous puisque bah du coup il fait quand même assez peu de dégâts. Ok, il est immobilisé, donc c'est le moment de lâcher ce qu'on peut en termes d'ulti. Ouais, ok, parfait.
infliger le maximum de dégâts entrants par cette phénomène et on s'est heal du mieux qu'on a pu. Alors on est bien préparé pour le prochain tour là, honnêtement, c'est top. Et le poison qui finit par faire le travail. C'est nickel. C'est nickel, honnêtement. Alors, Chouyou. Moyennement confiant du clic que je viens de faire. C'est gros, un membre du guild. Le pire teammate, bien sûr. Ok. Ok, bon, on va. Alors, Tarko, c'est quelqu'un du groupe. Donc, on va essayer de cliquer sur quelqu'un d'autre. Toujours en combat. Je me suis dit, ah, tiens, si ça se trouve, ça peut peut-être désactiver la recherche ou quoi. Mais en fait, non. Ok. Ok, donc le Wuxia Rasengan, évidemment. Ah oui, c'est vrai, si on est en automatique, bon, on va le laisser, hein. On va le laisser faire sa vie, moi il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça agresse notre Sasori, d'accord, très bien. De toute façon, ça a menacé le Naruto, donc bon. En dehors du Madara, on n'est pas trop incité à lancer un ulti, en réalité. Alors, Obi-Jane, qui va foncer dessus. Et je crois qu'il y a un avantage en termes de. Termes de personnage, bien sûr. Et on peut essayer de limiter les combos adverses, par exemple, avec le main en l'occurrence. Alors, le problème qu'on aura, c'est que on va certainement perdre le combat puisque le guy est positionné bah, de la meilleure des manières pour nous embêter en réalité. Donc, ça risque d'être un petit peu problématique. Ok, on est toujours en train d'essayer de se défendre. Ok. Ok. Je vais attendre, essayer de dépenser l'esquive avant de faire quelque chose. Alors ce serait énormissime que le Gaara tombe extrêmement rapidement, genre à ce tour-ci. Malheureusement, on n'a pas crit. Un petit peu grâce au travail du Gaara. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut essayer de mettre une barrière du Jiraya pour nous aider? Encore une esquive. Ok. Je suis très inquiet là de la posture du guy là aussi là. Je suis moyennement confiant par beaucoup de choses en fait. Est-ce que si on empêche le guy de faire un ulti, ça peut nous aider? Et je suis pas trop du coup mon propre combat, ce qui est quand même terrible. Et ouais, on va peut-être essayer de se dispel un peu, de faire quelques trucs. Le gars est tombé. Ok, finalement, on s'en sort avec mon compte, avec le compte principal. Et ouais, c'est foutu. Je vais dire notre Sasuke, pas du tout. Notre Shisui, il a pris trop de dégâts. Ok, il y a une différence en termes de ninja qu'on n'a pas su combler véritablement. Ouais, entre le Gaara. Le gars, c'était pas évident, hein, donc on est obligé de s'incliner, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ok, on va prendre la ration de résistance contre un auto pour éviter de se prendre. Des dégâts de commotion tout à fait considérables. Après, c'est ça. On est even en termes de combativité, mais. Et ça me semble compliqué. En réalité, ça me semble assez complexe.
Et en plus, il joue Obito. C'est pas simple tout ceci. Ok, contre le Shoei, c'est très bien. On a eu un peu de chance là-dessus. Il faut essayer de faire le maximum de dégâts possible. Ok. Alors là, je pense que si jamais je fais l'affront de lancer un ulti en plus que celui du Madara, je vais me prendre un retour de bâton assez infernal avec les autos du Naruto. Ok, 0 point de chakra, c'est très très bien ça. Dire qu'on est assez tranquille vis-à-vis de l'ulti Obito. Oh mince, il a la première attaque sur moi. Vous avez pas prévu ça. Et bah du coup, c'est certainement une défaite en réalité. J'avais pas fait attention à ça. Exact. Allez, Itachi, essaye de survivre, tant bien que mal. Ouais, ok. Je n'apprends pas de mes erreurs. C'est terrible. Oula. Oulala. 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 Oh oh. Est-ce qu'on réussit à le cut? Qu'est-ce qui se passe? On l'a échappé belle. Est-ce qu'on peut pas essayer d'appuyer? Non. D'accord. Bon, comme ça, il a pas scale. On va faire de bêtises. Ok. Alors là, je pense qu'il faudra dépenser l'esquive into et essayer de l'envoyer un ulti. Parce que cela sera possible. Ouais, ok. Ok, on y va vis-à-vis de l'ulti. Pour lui infliger des dégâts, bien sûr. Pour Scale aussi. Et finalement, pas de prochain tour, donc pas besoin de Scale. D'accord, très bien. Oula, je suis pas trop confiant là. J'ai 4 victoires sur le. Je pense que c'est le moment où il y a un mec, il y a 5 millions qui arrive et qui globalement me casse la figure de manière assez, assez violente. Et unilatéral, bien. Oula, Hisoka, ah non. En minuscule. C'est quelqu'un de la guilde, donc attention. On va essayer d'affronter ce petit militaire. Alors, on a déjà donné une auto en face. Donc, c'est une auto, donc c'est peut-être pas ouf d'essayer d'en donner une seconde. Pour l'instant, on tient les dégâts, mais. Si jamais on continue de lui donner des autos, au bout d'un moment on ne tiendra plus les dégâts, bien sûr. Alors on a une bonne avantage, on a une bonne avance au niveau de la combativité, mais c'est peut-être pas une raison pour jouer n'importe comment. Essayons de faire notre mieux quand même. Ça n'ira que mieux, je pense. Ok. Ok, l'ulti Madara qui finit par faire le travail. Très bien, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Oula, victoire de 5 là. Là, je le sens pas. Là, si vous voulez mon avis. Ah bah, Saitama Saigo, il a ressenti le petit fillon, peut-être. Oula, ah oui, là contre Gaara, là c'est une fin du rêve qui va s'enclencher hein, tranquillement. Ah oui, et en plus j'ai beaucoup de mal contre lui parce qu'au niveau de la position, le Madara il touche que le Shisui ainsi que le Itachi, donc en fait je ne fais que bien trop peu de dégâts vis-à-vis de l'adversaire, ouais, effectivement.
Ok, et avec Cendre aussi, on m'a agressé. D'accord. Bon, je pense que ça devrait être un peu plus simple que mon propre combat. Je pense qu'il faut tenter un full heal en réalité là. Je crois que j'ai la première. Ah, je ne sais plus. Mais de toute façon, il faut tenter, je pense. Ouais, c'est bête que. Ok, au niveau des dégâts, c'est vraiment très très bien. Après, bon, il va ressusciter son ninja avec la Tsunade. Et globalement. Globalement, voilà quoi. Mais ça va pas pouvoir lancer un multi outre mesure là. Le full heal est présent. Je crains qu'hormis le premier outil, on ne va pas être en mesure de pouvoir lancer un autre outil. Ce qui évidemment est un peu tragique parce que on n'a pas. Voilà, là il va full heal et il va remettre tout le monde à 100% de points de vie, je pense. Globalement dans son ensemble, donc ça va pas être évident. Ça aussi. Voilà, tout le monde est full vie. Nous on va essayer de faire la même chose de l'autre côté, hein, mais. Et peut-être que si on appuie comme des oufs. On va essayer de péter un peu son ulti. Okay. Donc automiser ta Yalou, évidemment. Ok. Il y a peut-être un monde où il se passe quelque chose parce que là il a mis le contrôle sur son ulti sur mon Itachi. Donc ça veut dire que le Madara aura le champ libre à un moment ou à un autre. Et éventuellement, on va peut-être pouvoir faire quelque chose à partir de là. Après le Gaara, il a quand même pas mal d'immunes de l'autocritique. Allez, on espère que ça va le faire. Et suspense. Et donc, le travail du Gaara a bien fait. Enfin, le Gaara a bien fait son travail. Et je n'ai plus aucun taux critique. Donc du coup, je ne fais que des dégâts normaux. Et du coup, on ne peut pas trop s'en sortir en réalité. Ouais, non. Sa disposition de ninja est très problématique dans mon cas. Et puis contre Ruby Jin, j'ai l'impression que ce soit une baisse repetita envers ce qui s'est passé. Donc c'est un tout petit peu problématique, je pense. C'est sans doute le Geria qui est le mieux. En termes d'ulti. Ah, je peux pas lancer. Donc du coup on va lancer le main, hein. On va éviter de se démoraliser à propos de tout ça. Ok. On va continuer
notre progression évidemment dans la lice. Hein, parce qu'on a essuyé une défaite qu'il faut s'alarmer ou quoi que ce soit. Ok. On va empêcher l'arrivée de Tobirama, je pense. Donc ça va donner des autos à l'adversaire, mais. Ok, on va lancer l'Ultimadar au T2. S'en sortir si on n'a pas réussi à s'en sortir face à Ruby Jane, alors que nous de l'autre côté tout roule donc c'est très bien. Ok, d'accord. Si on va en haut, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Tout le monde est en combat, nous semble-t-il. Il y a un Menteur. Pointait le bout de son nez, donc je me dis bon. Il s'agit de Wave. Très bien. Là, il y a Synchro, donc un monde de ville, donc évitons. Tant qu'on peut éviter, hein. Ok, là, il y a Sombré aussi également. Un monde de ville, c'est pareil, on évite. Et on clique dans le tas à peu près, là. Non, bon, d'accord. Off, mince. Ok, Shuyu, c'est pas quelqu'un de la guilde, ok. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ah mais c'était un Madara, on était autorisé à lancer nos ultis. Ok. Et donc du coup, oups. Oh, Dra, qu'est-ce que tu... Ok. Très bien, on lance un petit Madara, c'est parti. Donc là, avec Itachi Edo qui on peut cibler pour l'embêter un petit peu. Le Sasori, peut-être avec lui, il peut libérer de. Ok, il aura pas assez de chakra. Ah, je crois que c'est la fin de la liste avec tout ça, donc. Ok. Bah écoutez, c'est très bien. Du coup, qui est le camp des vainqueurs? Il s'agit du bon Mobyuku. Bravo, évidemment. Et Landry, Wawan, Izuna. D'accord, très bien. Ok. Oh! La médaille en chocolat est 5e place. Ok. Écoutez, on s'est bien débrouillé en connaissant un petit peu ceux qui étaient sur le podium. On n'a pas du tout démérité, je trouve. Ok, incroyable. Au niveau de la forêt. Ok. Il y avait du monde également. Et c'est le monde qui a gagné. D'accord, très bien. Ok. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.